Adieu, adieu les gens, comment va, comment va, comment va? Eh ben aujourd'hui il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait chaud. Et voilà. Donc, des nouvelles d'ici. Eh ben aujourd'hui c'était grosse réunion de tout le monde. Il y avait mon père, Ayant et cousin Roland. Tada! Alors voilà. Mon père aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est que il a mis la peinture primaire sur les murs qu'il avait fait et qu'il avait enduit. Donc au final, on se retrouve vraiment avec des murs tout blancs. Le couloir aussi a été fait. Franchement, et ça commence à claquer. Hein. Franchement. Ah, il m'a déconnecté les. Les autres, d'accord. Oh, là-bas, c'est déconnecté. Mais tout ça, c'est fait en primaire. Voilà, il a tout peint en primaire. Les murs. Ça, et ça commence à avoir de la gueule, en vrai. Si on regarde comme ça, là, ça commence à avoir de la gueule. Là, le bureau, pareil. Putain, dire qu'on remonte, il y a 2 mois, il n'y avait rien. C'était... Là, il y avait la vieille télé ici, là. Il y avait un petit meuble dégueulasse avec la vieille télé. Pff, c'est ouf. Donc, ensuite, avec Ayant et cousin Roland, ils sont partis dans la chambre. Et ils ont démonté la fenêtre ici. Ils ont démonté la fenêtre. On a récupéré l'appui de fenêtre aussi. Ils ont réussi à récupérer l'appui de fenêtre. C'est pour la future fenêtre. En fait, on va la rehausser. Là, la taille est bonne en termes de largeur, mais en termes de hauteur, elle n'est pas bonne. Donc, on a récupéré l'appui de fenêtre. Et comme ça, ben, de là, je vais le passer en hauteur. Voilà, voilà. Donc, pendant ce temps-là... Tiens, on va s'allumer la clope en même temps. Arrête. Donc, pendant ce temps-là... Moi, je me suis occupé de la partie extension buanderie. Donc, étant donné que notre linteau faisait un petit ventre, je l'ai un peu... Là, on le voit pas trop, mais je l'ai un peu disqué juste là. En fait, je l'ai fait encore plus propre que ce que c'était, quoi. Voilà, j'ai refait un petit coffrage qui devait faire un demi centimètre. Voilà, pour que ça soit tout bien, tout propre. Voilà, à des endroits où il y avait des manques. Voilà. Ici, j'ai fait pareil. J'ai fait les appuis, les tapés. J'ai bien redécoupé le bord pour qu'il soit tout plat. Parce que quand j'avais fait mon coffrage, j'avais mis un parpaing par-dessus. Et ici, ça avait regonflé, donc ça faisait des vagues. Donc je l'ai bien recoupé à ras. Là, il est vraiment tout propre, mais vraiment tout propre. Hein. Hormis quelques merdouilles. Là, ici, là, ben forcément, j'ai fait les deux côtés. Là et là. Voilà. J'ai bien arrangé. Voilà, les deux, trois petits détails qui m'embêtaient, je les ai arrangés. Et puis j'ai fait les deux côtés de l'appui de fenêtre, j'ai modifié l'appui de fenêtre. Et vu qu'il nous restait du temps, avec cousin Roland, on s'est dit que on allait commencer la cuisine éclair. Oh, mais qui voilà ? Hosanna, cousin Roland ! Hosanna ! Adieu, adieu ! Donc alors, moi j'ai posé les premières rangées de briques et mon cousin, mon copain, Et lui, il blinde au mortier entre les interstices. Voilà. Histoire de consolider l'appui. Et comme ça, quand on reviendra quand on reviendra dimanche, on pourra très certainement, je l'espère, au moins monter, 3-4 rangées. Voilà. Après, parce qu'on a un autre boulot qui nous attend à l'intérieur. Donc au moins monter 3-4 rangées, ça serait déjà pas mal. Et puis voilà. Donc ensuite... Travaille bien, cousin. Hein, il s'applique en plus. Hein. C'est la dernière. Parfait. Bon, les gens, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Hein. Et puis, je vous dis à dimanche, alors. Ciao, ciao, les gens. On dit au revoir, cousin. Ciao.